pose la manette. Fini de jouer ta grosse tête dans le grinder. J'ai bouffé de l'encre, j'suis une bouffée de bang. Inspiration, expiration. Tape pas dans ta gueule, j'pète la forme, performe. Pète tous ces faux, si j'fais péter le fond, tu. Yo les gars, comment ça va? Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, on va refaire une ouverture de maillot de foot vu que ça va être la Coupe du Monde. J'ai commandé environ 8 maillots, si je me trompe pas, de la Coupe du Monde. Bon, il y en a pas que pour moi, il y en a aussi pour mon frère et pour un de mes potes. Donc je vais vous offrir ça. Je vais vous ouvrir ça en vidéo. Dedans, il y en aura 3 que je ne sais pas du tout ça va être quoi. Ça va être, c'est des t-shirts secrets en gros, mais on sait pas du tout qui ça va être. Et en gros, on le découvre une fois qu'on ouvre notre colis. Donc c'est parti. Donc bien sûr, c'est comme tous les ateliers du beurre. Si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Non, la vie. Et lui. Le dernier, c'est le mien. Attends, lui, j'essaie de savoir c'est quoi. Non, mais c'est des quoi? C'est des maillots pays ou quoi? Ah, lui, par contre, je crois que c'est moins bien. C'est les mêmes? Non, mais je crois qu'il y en a un qui est pas bien de hasard. Donc, voilà tous les maillots. Donc, on va commencer par le premier, que celui-là, je sais. C'est un que j'ai gratuitement quand on commande 3 ou 4 maillots. Je sais plus, on en a un gratuit. Donc, c'est celui-là. Celui du Bayern Munich. Celui de cette saison là, enfin la saison dernière, en gros l'ancien, puis maintenant il y aura le nouveau. Donc c'est celui là en plus je le trouve très très beau, donc je suis content de l'avoir gratuit. Donc on passe au prochain. Donc celui là c'est pas pour moi, c'est pour un pote. Donc c'est celui d'une sélection, donc pour la Coupe du Monde tout ça, mais même les USA, je sais même pas s'ils sont qualifiés, je crois pas. Donc c'est celui des USA qui est en blanc, il est stylé. Moi je voulais me le prendre aussi, puis au final vu que je m'en suis pris des autres, j'ai dit non, on va quand même se calmer, on va pas en prendre trop. Mais il est déchirant, je trouve. Il est beau, ouais. Même l'ancien il est beau, hein. Ouais, l'ancien, bah je viens, il l'avait aussi. Donc voilà, donc franchement il est super stylé, les bandes ça fait super beau. De toute façon les USA souvent ils ont un beau maillot. Donc voilà, le maillot des USA. Donc celui-ci c'est pour moi, c'est celui de l'Allemagne en vert, ouais en vert. Franchement je le trouve trop trop beau, du coup je me le suis pris. J'ai fait floquer sa nez. Mais bien sûr, bah en fait il est pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Ça je ne le savais pas avant que je commande. Je voulais mettre Draxler de base et au final j'ai mis Sané. J'aurais peut-être dû mettre Draxler, mais bon c'est pas grave. Je le trouve super beau aussi. Celui-là par contre il est nul à chier. Celui qui a lui il va être blasé. Je crois que ça va être bon. Non il va pas être blasé, il est bien. Mais j'espère que c'est pas moi qui l'ai, sinon je pète un plomb. Donc le suivant c'est encore pour moi. C'est le maillot du Brésil. Il faut qu'il y ait 10 Neymar. Classique. Enfin, au début je voulais pas mettre Neymar parce que je me suis dit tout le monde il l'a. Donc c'est un peu nul, je voulais mettre Ressus je crois. Ressus ou Coutinho, je sais plus. Puis au final je dis ouais non, faut quand même mettre Neymar, c'est la base. Donc, nouveau maillot du Real. Du Brésil. Super, super stylé. On passe au suivant. Ah, aux deux suivants, parce que j'en ai pris deux comme ça. Il y en a un pour moi et un pour mon pote. Donc c'est les deux mêmes. Et ces maillots-là, il est trop beau. C'est sûrement le plus beau maillot que j'ai là maintenant. C'est celui du Nigeria. Donc franchement, il tue sa mère. Je kiffe. Bon, on a rien floqué. Parce que bon, Nigeria on connaît personne en fait, et puis même il est trop beau comme ça, donc on va rien foquer dessus. Je le trouve trop beau. On va passer au maillot secret qu'on ne connaît pas. Enfin moi maintenant du coup je les connais, mais mon pote et mon frère ils les connaissent pas. Donc on va savoir définir par rapport à la taille à qui c'est, parce qu'on a tous les trois une taille différente. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le... Bah, franchement il est bien. Ça va. Mais moi, j'espère que c'est pas pour moi, parce que je l'ai déjà ce maillot-là. C'est le maillot de la Juventus, et floqué Buffon. Donc, j'espère que c'est pas à moi. Mais après, ça va, c'est le maillot... c'est pas le même que moi. C'est celui-là. Enfin, celui de l'année dernière, du coup. Mais moi, j'ai pas celui-là, j'ai l'autre. Attendez, je vais vous le chercher. Attends, hein ? C'est le tien. C'est le mien ? Non, c'est vrai, non. Putain, c'est le mien. C'est vrai, non, c'est vrai. Bah ouais. Ça. Bah oui, c'est le mien. Moi, j'ai celui-là. Ok, Dybala. Donc, on va passer au deuxième, parce que maintenant, on sait que c'est plus pour moi, donc ça va être soit pour mon pote, soit pour mon frère. Bah, prends pas le plus beau tout de suite. Pas le plus beau tout de suite. Ok. Ah. C'est celui
de Manchester City. Donc pour qui ça va être Manchester City? Floqué? C'est pour Julien. Django. C'est Julien ça. C'est qui ce joueur? Est-ce que les gars vous connaissez ce joueur Django? Je savais même pas qu'il jouait à Manchester City. Donc bah c'est celui de Manchester City, le bleu, le tout simple. Donc celui-là à la rigueur ça vaut, moi j'aurais bien aimé l'avoir même si j'ai déjà un. Donc bah les gars, si vous connaissez Django, dites-le moi dans les commentaires et lâchez un pouce bleu. Donc bah Julien, toi le maillot de Manchester City, floqué Django quoi. Désolé. Et attention, le dernier maillot, et je sais déjà qu'il va être trop content. Enfin pas trop content, mais franchement ça va, ça va. Franchement, c'est lui qui a eu le mieux des trois en fait. Enfin ouais, t'es trois. Donc c'est pour mon frère, donc attendez, je le retire de la pochette comme ça il le voit pas maintenant. Putain, je suis blasé, j'aurais trop voulu l'avoir celui-là. C'est celui de Paris, en jaune. Et floqué qui à ton avis? Mbappé. Eh ben non, c'est Cavani. Bon ça va hein, franchement. Floqué Cavani, le maillot de Paris en jaune, donc franchement, ce mec là se met super bien, il a vraiment trop de chat. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et de vous abonner. Je sors plus trop de vidéos en ce moment, mais c'est parce que je fais des lives aussi. Et vous venez pas sur mes lives les gars, faut venir sur Twitch. J'essaierai d'en faire aussi sur YouTube des lives. Je joue beaucoup à Fortnite en live. Donc venez me follow, ma chaîne Twitch est dans la description. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Activez les notifications sur Twitch et sur YouTube. Au moins si j'en sais un live quelque part, vous l'avez direct. Vous savez que j'y suis, vous pouvez venir vous parler dans le chat. On débat ensemble. Et voilà, donc voilà, moi j'ai eu tous mes maillots, je suis content de tous mes maillots. Bon, à part mon secret. Mon secret, j'aurais préféré que ça soit un autre, même si c'est Buffon, donc c'est bien. Buffon, c'est cool, vu qu'il n'y aura plus de maillot de Buffon bientôt. Enfin, bientôt, on se comprend. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Steve, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao!